Laissez jouer le scorpion et salut à tous, on se retrouve sur cette 11e partie sur Dawn of Man. Réarrangement du micro et à changer de côté. Donc c'est parti, on continue ça, on va récupérer les 20 populations qu'on a perdues à la session précédente. Et on va essayer d'en avoir plus, on va voir comment ça va monter. De toute façon, ça prend quand même un certain temps avant de récupérer de la population, mais on a quand même un bien-être assez élevé, donc on va espérer. J'avais un poil de chat sur la langue. Alors, bon, pas assez d'animaux dans les écuries, mais c'est pas grave, il y en a une en construction ici, donc ça devrait régler le problème. Et on vient de gagner une mine profonde, un point de connaissance, ça c'est bon. Donc là, on est en étape d'obtenir les 20 derniers points de connaissance pour obtenir la technologie de l'acier. Et le dernier objectif, ça va être d'avoir les 150 citoyens une fois que le cairn y sera construit. Et ça va bientôt être le cas. Voilà, ils sont en train de le bâtir. Yes. Deux points de connaissance sur des vieilles affaires. C'est pratique ça. Ah ah, ça s'en vient bien. Yes. Je tourne pas assez vite. J'espère pas trop vous donner un mal de cœur. Alors, vas-y, donne des chèvres. Non, merci. Je retourne à mon cairn. Et voilà, le cairn est achevé. 3 points de connaissance d'un coup. Excellent. Donc, si on regarde, pas ici, les paliers. Donc, il y a le palier d'acier où ça va être avec la dernière technologie qu'on va pouvoir obtenir ces 20 unités d'acier là. Et donc là, c'est ici, cet objectif là qui va peut-être être le plus long à obtenir, donc les 150 de population. Et le cairn est déjà construit, donc il va juste nous manquer les 150 de population, ce qui nous manque 60 personnes. Pas 60, il en manque 80. Ah, ça donne 100 de prestige, plus de prestige. Ça augmente juste la notoriété. Donc ça augmente la fréquence des arrivées des migrants. Donc ça vaut le coup d'augmenter le prestige. Ça augmente le prestige aussi de 7, 5, ça de 20. Et les petits statuts au bout de 3. Ok, donc là j'ai pas mal augmenté le prestige. Ça vaut le coup peut-être de refaire un autre cercle mégalithique. Ça en donne 60. Si on regarde ici. Voilà, je vais pouvoir faire le moulin à eau. Un deuxième cairn, ouais. Je pense que je vais en faire un deuxième. Puis c'est pas grave si on le met n'importe où là. Faut pas que ça empêche la fortification ici, elle est faite. On dirait qu'il y a des brèches. Bon. Ici. Je sais pas si là on peut considérer que c'est fermé. Est-ce qu'ici on peut considérer que c'est fermé? Peut pas en mettre plus là. Je sais pas s'ils peuvent passer à côté. Là.
Ah, je pourrais faire un test. Cobaye. Toi, t'es un cobaye. Viens ici. Allez, plus vite. Voilà. Maintenant, tu vas là-bas. Ah bah voilà. Et puis tu peux marcher où là comme ça? Ok, tu peux facilement passer là. Et là quand tu montes ici, tu montes par là. Ok, donc ça va être compliqué de faire des forteresses. Bon, je te laisse aller. Ça là-dessus, je pense qu'ils peuvent pas passer, mais je vais devoir faire des murs comme jusque là. On va couper cet arbre là, couper celui-là aussi. On va allonger la montagne. On a l'air d'être correct au niveau des tâches. Voilà, il n'y a rien qui passe à cause de l'arbre. Je vois qu'ils abattent l'arbre. T'en vas où, toi? Vers mine très profonde. Ok. Là. On va couper cet arbre là et celui-là. Bon, je peux mettre trop de construction non plus, mais. Des dépôts de sangliers, dépôts, j'en ai plein. Ok. Deux nouveaux humains, on est passé à 73. Il doit y avoir une naissance également. Bon, ça monte, ça monte. Et on va se protéger comme il se doit des pillards. J'ai pas envie de réavoir une hécatombe. Oh non! Et moi qui voulais me protéger de ça. Alors, où sont-ils? Ils attaquent. Oh, pas assez de paille. C'est pas bon ça. Ils sont combien? Peux pas leur dire attaquer comme ça. Il y a plein de gens qui sont fatigués. Attaquer mes murs. Là, ils vont arriver un par un. Ouais. Bon, ils ont détruit une maison. Bon, ils m'ont tué une personne. Deux, trois. Reste d'autres. Non, je pense c'est bon. Bon, ça a été moins pire. Si la tour avait pu être construite, ça aurait été quelque chose de mieux. Donc, nous avons une maison qui a été détruite. Voilà, on va reconstruire la même place. Reprenez vos activités. Et je manque de paille. Je vais avoir des pertes animalières. Hein. La viande, la nourriture qui se gâte, ben là. Ah. Mort de vieillesse, de la boue. Oui, c'est normal que je perde la bouffe. Ah, puis lui c'est infection. Charge de travail trop élevée. Oui. C'est normal avec toutes les plantaisons. Mais ça devrait passer.
Ah, un point pour le tanin, c'est parfait. Il manque plus 8 points de connaissance. Ah, un grenier, ça donne du prestige aussi. Les maisonnettes donnent du prestige aussi. Ah. Ok. Bon, il était mort de maladie. Le marchand, qu'est-ce que tu me vends? Tu peux me vendre des humains? Tiens, prends une épée en bronze. Voilà. Va prendre du temps à construire tout ça. Et ça va prendre surtout beaucoup de pierres. Sachant qu'en ce moment, je n'ai pas. Voilà, c'est dans les tâches ici, ramasser de la pierre. Bon. Priorité, de toute façon. La nourriture est en baisse. La paille est à zéro. Population. Elle remonte tranquillement, les animaux. Charge de travail, ouais, je sais. Bon, ah, puis en plus, là, un menhir, je dois s'en venir ici. D'ailleurs, j'en ai tué. Ah, j'en ai plus de prêtres pour ça. Ok. Ah, et puis pour le cairn, ça va être la même chose. Ouais. Ouh, c'est loin ça. De quel côté? La rivière est là. Ah, de retour chez nous. Alors, pierre fini, ouais. Alors, hop. Lui là, il m'en donne-tu d'autres? Oups, là, il est juste à côté, préparé pour. Il reste plus que 3, 2, 1. Ok. Je suis un mort de vieillesse. Bon, et on récupère ce qu'on a perdu. Allez, passer. Charge de travail. Ouais, c'est parce que j'ai plein de trucs qui ont pas pu se faire planter. Mais c'est pas grave, il y a plus important pour le moment, c'est les fortifications. Ce qui est en bleu, non, ce qui est en bleu, c'est désuet, mais non. Comme des bugs de couleur ici. Alors, le marchand. T'as pas de paille. J'aurais bien acheté ta paille. Donc, non, je ne t'achète rien. Prestige 567. Maisonnette ici toujours pas reconstruite, mais j'ai plus de paille. Donc ça va aller à l'automne. Donc on va espérer qu'ils finissent ces charges-là pour se préparer aux charges de l'automne. Il y a plein de réparations. Ça prend de la paille. Ah, j'ai déjà perdu encore un habitant. Ça.
Ok, charge de travail vient de s'alourdir. Je sais. Les greniers, il en faut juste 4, je suis déjà au max. J'ai pas atteint. Oh! Si je réatteins 75 des populations, je vais gagner 3 de connaissances. Ah, ça vaut la peine de perdre des habitants. Entre guillemets. Les poissons, on est plutôt à 1000 et à 500. On n'a rien sur les séchoirs. Ils n'ont pas le temps de pêcher. Ils travaillent sur construire le cairn, menhir. Oui, je sais que la charge de travail est trop élevée, tu me le répètes à chaque fois. Est-ce qu'ils vont avoir le temps de tout récolter? C'est ça l'important. Ils sont censés avoir des bonnes fossiles. Le marchand. Pioche en bronze, non. Des nattes, non. Du bronze, non. Des cochons, tiens, je vais prendre des cochons. Tout ce qui est en acier, je vais le garder. Hop, on va vendre ça. Ça, il faudrait que j'arrête la production. Ça aussi. Et le truc en silex aussi. Il me faut 520. 120 tout court. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, 1, 2, 1, 2. Ok, c'est pas grave, si je dépasse de 2, je me débarrasse d'affaires. On arrête la production, on arrête la production, on arrête la production. Déjà, ça fera moins de charges. Fabriquer silex, non. Oups. Voilà. Oups. Bon, du coup, comment ça se fait qu'il y a... Il ira plus vite comme ça. Voilà, on vide ces listes de production. C'était ridicule. Là, je fais plus de cuivre, donc ça c'est bon. Ouais, ça je fais juste des nouvelles affaires. Ouais. 77 colons, deux qui ont rejoint, il y aura des naissances. Ah, certains individus n'ont pas de vêtements chauds. Pourtant, ah, ça y en a qui ont dû se dégrader. Alors, l'atelier de tisserand, il est où? Ça c'est le tisseur. Le confectionneur, il est l'homme, c'est en demande. On va en mettre 3 comme ça. Donc là, on s'approche, on est en hiver. Alors, 1000 peau brute, c'est parfait ça. Donc, les tâches de travail sont correctes. On va rien rajouter vu qu'à l'automne, il va y avoir les semis. Oui. Ah merde. T'avais quoi sur toi? On peut pas voir ce qu'il avait. Qu'il avait pas de vêtements chauds. Il y a juste 6 personnes qui n'ont pas de vêtements chauds. Avec ces gens-là qui n'ont pas de vêtements chauds, il faudrait les retrouver, je sais pas comment, et leur dire rentre chez vous! Lance en fer, ça c'est bon.
des chevaux, des ânes, des vaches. J'ai quoi comme population de vaches? On se trempait de bout en bout. Vache, j'en ai deux. J'ai une femelle et un mâle. Ouais, il devrait pouvoir faire des petits. C'est pas en hiver que je pourrais leur dire d'aller en chercher d'autres. Il devrait pas y en avoir des animaux dans les parages. Ah bah oui, bon, des ânes, des ours, aurochs, chevaux, loup, mouflon, cheval. Combien d'ânes il me faudrait? Deux. Voilà, juste deux. Un autre qui avait pas de vêtements, il est mort. On est remonté à 77. Bon. Bientôt la fin de l'hiver. Voilà, l'hiver est fini. Le marchand, tiens, je vais prendre du tissu. Les charges de travail sont élevées. Ça devrait pouvoir se résorber. Voilà. 2 points de connaissance en plus. Excellent. Ah, j'ai perdu des ânes. Oui, t'as pas tenu légère. Genre. Voilà, il y en a une qui se fabrique. J'ai encore eu une naissance, la population monte tranquillement, je récupère mes pertes. Là je laisse planter tranquillement. Parce que de la paille, il m'en reste pas tant que ça. Et je vais en avoir besoin. Donc les murs ici sont construits, là pas totalement. Ici en partie. Deux personnes par tour de guet. C'est juste la chasse. On met une troisième personne là-dessus. On est bientôt à la fin du printemps et tout n'est pas planté. Alors, marchand, qu'est-ce que tu me proposes? Des vaches, avec une commission élevée. Non, toi, je te prends rien. À moins que c'est combien tes vêtements en laine? Voilà. Une passée à 81 de population. Ça monte, ça monte. Tempête, il y a quelqu'un qui va se faire foudroyer, parce que je connais ma chance. Oh! je suis devin, je l'avais prédit. Désolé, Iman. Alors. C'est quoi ce loup? Wow!
C'était un loup qui avait mangé du Red Bull ou quoi? Tâche de travail incorrect. Non, la paille n'a pas encore été récoltée, ça va être au printemps. Donc, on va pas prévoir de construction, d'amélioration comme ça pour le moment. Collecte de pierre, collecte de pierre. C'est pas dans leur priorité. Collecte de fruits, collecte de légumes. Oui. Une priorité là-dessus. Puis là-dessus. Voilà. C'est-à-dire que ça reste dans les tâches actives, apparemment. Là, j'en ai trois qui sont poignés là-dessus. En viennent-tu? On va chercher le mégalithe, oui. Toi, t'es tout seul en train d'aller chercher le mégalithe. Lui, il est prêt. Non, il se fait construire le traîneau. Ouais. Ça c'est le son Anne sur chariot. Et tiens, si je pourrais essayer de trouver des ânes jeunes. Voilà, il y en a trois à capturer. Ça pourrait être utile pour mes chariots. Oui, pas de vêtements légers. On va pas mourir de chaud là. Oh non, culture affectée. Je vais prendre un arc. Et je te le paye avec des os. Charbon, un point de connaissance de plus, plus que deux points de connaissance. Donc la maison a été reconstruite, c'est parfait. La tour de guet a été construite aussi. Quand on fait défense, est-ce que c'est la même chose que là? Non, ça c'est alerte. Ce qui fait que je pourrais quand même sélectionner les endroits où j'ai besoin d'avoir de la défense. Ah! Intéressant. Collecte de pierre. Oui, vêtements chauds. Je donne une priorité là-dessus. Là. Et puis c'est pas que je manque de laine. C'est juste que mes bonhommes sont débordés. Bon, niveau nourriture, on est toujours correct. Sont pas fort sur la pêche là, mais alors production moulin à eau, je sais pas à quoi ça sert, mais on va en faire un. Alors endroit à moudre le grain, ah ok, et le four pour faire cuire du pain en grande quantité. Ah. Et voilà, on est revenu à 90. Donc, c'est pas si pire, c'était pas si long que ça. Je sais qu'on a été arrivé à 95, là, mais... Ah, d'ailleurs, ça m'a pas donné les points de connaissance du 75, je les avais déjà obtenus. Donc, on peut pas s'amuser à faire tuer sa population pour retourner à une étape inférieure. Yeah! Ah, yeah! Ah yes, ça y est, on a obtenu toute technologie. Et donc maintenant, je vais pouvoir faire de l'acier. Ça prend du fer. Des lingots de fer. Donc t'enlèves ça. Et t'enlèves ça. Voilà. On arrête de faire du fer. On fait juste de l'acier maintenant.
Et ici, non, ça c'est ici, non. Et où la forge? Ah, elles sont là, non. Et ici, non, brasserie. Ah, voilà, et là la forge. Bon, tu vas consommer tout le fer qu'on a. Mais après ça, tu passes à l'acier. Parce que si je regarde ici, le fer, j'ai même pas fait 10 partout. Ah, j'ai déjà deux lingots d'acier, ça va vite. J'ai plus de bois. Non, des ramasses de bras, de branches, je m'en fous. Modifier la zone. Voilà, il y a plein d'arbres qui ont poussé. Les bûchers, les bois. Il y a déjà une zone ici. Voilà, mettre là, celle-là. Ouais, on va en mettre deux personnes dessus. Peut-être même en mettre trois. Celle-là, elle est vide. Celle-là est presque vide, on va la décaler. Bah, faut qu'il fasse plus de vêtements chauds là. Donc ça y est, ça ils l'ont construit. Il va rester le four. À ce moment-là, il faudrait que je fasse un deuxième confectionneur. Ouais. Oui, je sais qu'il y en a qui ont pas vêtements chauds. On va aller faire un cuir en attendant. Construire. Production. Confectionneur. Voilà. N'empêche que si j'avais pas perdu mes 30 humains, je serais à 120 là. D'ailleurs, je viens de voir que c'est l'heure de faire une pause ici. Donc au moins on a récupéré nos humains perdus. Ça c'est une bonne chose, là. Comme ça on se rapproche tranquillement des 150 et on fera attention au prochain pillard. Donc abonnez-vous à la chaîne si vous aimez ce que je fais et si vous voulez rien manquer des let's play de Dawn of Man et des autres vidéos de la chaîne. Le pouce bleu pour cette vidéo pour le renflouement de population qu'on vient d'avoir et je vous dis à de prochaines aventures. Ciao, bye bye.